Coucou les gars, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo où je vais vous réapprendre, parce que j'avais déjà fait une vidéo sur le sujet, à construire un drone FPV de A à Z, mais en une seule vidéo cette fois-ci, et surtout un drone avec un bon rapport qualité-prix. Et on verra dans d'autres vidéos la différence entre un drone bon rapport qualité-prix, donc pas trop cher mais pas entrée de gamme, et avec donc la différence avec un drone haut de gamme comme celui-là par exemple. Ah oui, et nous, on va construire un drone en HD. Encore une fois, je crois que j'adore monter des drones et je crois que je vais vous en faire plus souvent des vidéos où je monte des drones sous forme de tuto, sous forme de... avec un concept à chaque fois. Là, par exemple, tu vois, je vais monter un drone avec un bon rapport qualité-prix. La dernière fois, c'était un super drone premium, etc. Et tout ça sous des formes différentes. Et donc, si ça vous plaît, n'hésitez pas à aimer la vidéo ou autre pour me soutenir et aussi pour me faire comprendre que vous voulez que je remonte des drones pour vous, quoi. Bon, c'est parti. Du coup, je vous propose que dans cette vidéo, on découpe toute la vidéo en trois parties. Donc, la première partie, ce sera faire la prévision de tous les composants, de ce qu'on va acheter. La deuxième partie, ce sera le montage. Et la troisième partie, ce sera la programmation. Et ensuite, il y aura une petite fin où je montrerai un premier vol avec le drone pour voir comment tout se passe. Donc finalement, on va faire la première partie. Donc dans la première partie, je vais juste vous montrer mon petit tableur Excel que j'avais sorti pour mes premières vidéos où je construis un drone. Donc j'ai rajouté quelques trucs depuis la dernière fois. Donc le drone qu'on va construire, c'est un drone au bon rapport qualité-prix. Bon, nous comme je te l'ai dit juste avant, c'est un drone en HD qu'on construit. Donc si tu veux le passer en analogique, c'est simple. Tu prends, au lieu du Cadix Vista, tu vas mettre un TBS Unify Pro par exemple, et une petite caméra comme une Falcor. Ou enfin, t'as tout le choix que tu veux, mais je te donne des petits conseils. Et c'est aussi simple que ça. Donc, vous pouvez voir ici, là, il y avait le budget 1 et 2, c'était les budgets que j'avais utilisés dans la première vidéo, enfin dans les premières séries de tutos. Et là, on va plutôt utiliser le budget 3 et le budget 4. Donc le budget 4, c'est pour de l'analogique. Le budget 3, c'est pour du numérique. Donc ça, c'est les tableaux que j'avais utilisés à l'époque. Finalement, ils sont super, mais je trouve qu'il manque quelques petites infos. Donc il te donne les principaux composants du quad, mais il te donne pas tous les petits composants qui vont s'ajouter avec. Ça te donne une ordre d'idée du prix, mais en général, tu vois cette petite liste qui est juste à côté, tu vas souvent rajouter quelques composants pour pouvoir bien ajuster tous les composants de ton drone. Et d'ailleurs, ce sera toujours quand même à toi de réfléchir un petit peu en te disant « Ok, j'ai ce composant, qu'est-ce que j'en fais? Je le mets où est-ce que je viens le positionner ici? Où est-ce que je le fixe etc. Tu vois. Mais ce que j'ai fait de nouveau ici, c'est que depuis, dans cet Excel, j'ai commencé à lister mes drones. Donc, à l'intérieur, tu vois, j'ai listé mes derniers drones, donc Mark 4, Mark 5, Mark 6, Mark 7. Celui que j'ai construit pour la vidéo, c'est Mark 6, celui qui est en bleu. Okay, donc tu peux voir que le prix est un tout petit peu plus élevé que prévu, parce que j'ai rajouté plein de composants à ajouter finalement, tu vois, dans la liste de trucs pour pouvoir bien ajuster tout ça. Donc par exemple, il y a des petits supports 3D que tu achètes directement, tu as des antennes immortalité, tu as des hélices directement données avec, et ça te permet finalement de... t'arrives et t'es sûr de tout avoir, tout qui est le bon coup. Et donc tu peux voir que j'ai fait des tableaux bien plus complets, et plus tard je rajouterai les PID, donc tu verras quand la vidéo sortira, je rajouterai les PID de ce drone et tu pourras directement mettre les PID que j'ai mis pour avoir un drone qui vole assez bien. Donc je vais pas te détailler tous les composants que j'ai achetés cette fois-ci, il faut que tu retiennes que ce sont des composants avec un bon rapport qualité-prix, ok, pour ce drone, mais c'est pas non plus les composants les plus bas de gamme. Je reprends par exemple le budget FPV analogique. C'est vrai que pour toute la partie vidéo, on aurait pu prendre quelque chose qui reviendrait à 40€ au lieu de 95. Les moteurs, on pourrait trouver un truc à 35-40€. Mais c'est un truc, au moins on a un truc plus ou moins fiable, un truc quand même qui marchera bien, qui durera dans le temps, qui fera un super drone freestyle. Bon, j'en ai fini avec la petite partie où on analyse ce qu'on va acheter. Et une fois que tu auras fait ta commande, on va passer à la partie montage juste après. Ok, on a fait notre commande maintenant et normalement on vient de recevoir nos composants et tout. Et du coup là, on va monter tout le drone, que ce soit du châssis, au soudage des moteurs, des ESC et tous les autres composants. Donc c'est pas une étape très compliquée, c'est juste une étape où il faut être rigoureux et faire les choses bien, quoi. Et le montage de ce drone, il va se faire, on va dire, en trois grandes étapes.
Donc la première étape, c'est on va monter l'hardware. Donc on va assembler la frame, tout ce qui est frame. On va monter les moteurs, on va mettre les vis au niveau des moteurs. On va positionner la stack, parce que moi j'utilise pas mal les stacks. Ensuite, dans la deuxième partie, elle est un peu longue, c'est un peu la plus longue celle-là en général. C'est, tu vas venir souder tous les moteurs à AUSVSC 4 en 1. Et ça peut prendre un peu de temps et je te conseille de bien le faire pour pas avoir de problème par la suite. C'est important de faire des belles soudures, on va faire ça juste après. Et enfin, la dernière partie, c'est de connecter tous les autres composants et de faire des soudures pour le coup qui prennent moins de temps, mais il faut bien réfléchir où est-ce que tu les fais. Donc dans un premier temps, on monte la frame, je t'ai fait un petit timelapse pour compter, tu suis les notices, c'est pas très compliqué et tu vas t'en sortir. Ensuite, on prend le temps de visser nos moteurs et de positionner nos stacks. Et après, on va pouvoir commencer à souder et à faire l'étamage justement de nos moteurs à notre ESC. Donc super important d'étamer des deux côtés. Donc tu vas venir étamer d'abord les pads que tu vois, tu mets de l'étain dessus. Et ensuite, tu viens étamer le câble. Donc étamer, c'est juste mettre de l'étain sur une partie en métal pour qu'après, quand tu relies les deux parties, ce soit plus facile et beaucoup plus simple. On coupe les fils des moteurs à la bonne dimension et on vient les souder comme ceci. Donc voilà, dans la vidéo tu verras que ça m'a pas pris très longtemps, mais c'est une partie qui peut prendre un peu plus de temps finalement de souder tous les moteurs. Il y a beaucoup de câbles à faire, l'effet ni trop court ni trop long pour avoir un truc bien fait et à la fois à la fin dont tu sois fier et que ce soit propre quand ça crache. Ok, on a fini là, une partie assez longue et un peu compliquée. Les ESC et les moteurs. Maintenant, on va faire la dernière partie qui concerne la puissance, c'est l'AXT60. Donc tu vas voir, je viens souder finalement l'AXT60, déjà le petit connecteur à deux câbles de la bonne longueur. Ensuite, j'utilise de la gaine thermo pour éviter d'avoir des câbles dénudés. Une fois qu'on a nos câbles et nos connecteurs AXT60, on va finir par connecter ces connecteurs-là aux pattes de notre PDB ESC prévu à cet effet, et c'est terminé pour l'AXT60. Juste après l'AXT60 arrive un sujet un peu parfois délicat, on va dire, pour les débutants, c'est qu'on va venir mettre des condos de découplage. Alors, le condo de découplage, ça sert à quoi? Ça sert à filtrer les pics parasites de tension qui pourrait provenir de ta batterie ou toute ta partie puissance finalement. Moi je te parle bien des condos de découplage, ok? C'est ceux que tu vas venir mettre, en tout cas pas loin de ta XT60, pas loin de la puissance qui provient de ta batterie. On peut parfois en mettre pas loin des moteurs, enfin des ESC, mais là on va surtout parler de ceux qui vont arriver pas loin de la batterie et de la XT60. Donc il y en a qui en mettent carrément pas et tu peux t'en sortir au début sans. Tu peux même commencer sans et en rajouter pas après, c'est pas un problème. Et il existe plusieurs méthodes, tu vois. Alors moi, j'aime bien mettre deux gros condensateurs de 1000 microfarads en 35 volts pour une 6S. Donc par exemple, tu vois, moi, à une époque, je mettais ça. Donc sur le drone que j'avais construit, de base, j'avais mis ça, celui-là. Donc ces deux gros condensateurs, je les ai fixés sur les entretoises, juste sur le côté comme ça, hop. Et ensuite, je les ai reliés avec des câbles. Donc comment est-ce que ça se branche? Tu vas finalement mettre les deux plus du condensateur sur la patte plus et les deux moins des condensateurs sur la patte moins de ta XT60 ou alors directement de ton plus et de ton moins de ta PDB ESC que tu as. Maintenant, t'es pas obligé de faire ça. Il existe d'autres méthodes, par exemple, tu peux acheter sur DFR pour pas trop te compliquer la vie. Juste, tu vois, un condensateur qui est directement sur le plus et le moins. Des câbles qui vont passer dans tes ESC et ça te simplifie la vie. Honnêtement, j'ai essayé ça sur mon dernier drone, celui-là, et ça marche plutôt bien, j'ai vraiment pas de problème. Donc c'est aussi une solution que tu peux faire. Et on n'oublie pas la gaine thermo à chaque fois pour éviter d'avoir des câbles dénudés et faire un truc assez propre. Maintenant, on va positionner notre Calyx Vista et on va brancher ces différents câbles. Donc, t'as certaines FC qui te permettent directement de plug and play ton truc, sur le IR Unit tu plug and play tout, mais là pour le coup je vais tout souder, que ce soit de l'AFC au Calyx Vista.
Donc, au niveau du Cadix Vista, tu as 4 câbles importants à brancher, alors qu'il y en a 6. Mais finalement, comme on n'utilise pas le récepteur radio de DJI, on va en utiliser que 4. Tu as le plus, le moins. Le plus doit être alimenté au moins sur un 7, 8, 9 volts, je crois. Donc, tu peux l'envoyer directement sur la batterie. Moi, je préfère toujours passer par la carte. Donc, plus, moins, donc plus ground. Et ensuite, tu as un RX et un TX, comme sur un récepteur radio et comme sur un GPS finalement. Donc, tu prends un UART disponible de ta FC. Ça peut être TX1, TX2, 3, 4, 5, 6, bref, ce que tu as. Et tu vas brancher ton TX sur un RX et ton RX sur un TX. Enfin, on passe à une des dernières parties, le récepteur radio. Je vais souder quelques câbles sur les ports traversants du Crossfire Nano TX. Ensuite, je viens les emmêler pour faire quelque chose de propre. Je prends le temps aussi de mettre une petite gaine pour le protéger un petit peu. On n'oublie pas d'étamer les câbles. Et ensuite, pareil, on a un plus, un moins, qu'on va connecter sur du 5 volts. Donc tu peux voir juste ici, je mets le rouge sur un 5 volts, le noir sur un ground. Et enfin, je vais connecter le channel out 1 du micro du Crossfire Nano RX sur un RX et le channel out 2 sur un TX. Ce qui est assez important finalement, c'est que le Crossfire, tu peux faire un peu ce que tu veux et tu peux même décider que le channel out 1, ce sera un TX ou un RX. Et donc après, tu peux le brancher où tu veux. Mais tu peux faire simple, écouter ce que j'ai dit et au moins tu te prends pas la tête. Donc par la suite, mais pas au début quand j'ai monté ce drone, j'ai utilisé un buzzer. Le buzzer, c'est assez simple, je te mets le schéma juste ici. Tu vas venir brancher finalement, il y a une petite patte en général sur ton. Il y a un petit port sur ta FC qui s'appelle buzz moins. Buzz plus, c'est pas obligé que ce soit buzz plus, ça peut être un 5 volts, ça marchera aussi. Mais en tout cas, il y a un endroit sur ta FC où il y a marqué buzz ou buzz moins, et c'est le buzz moins du buzzer que tu dois mettre dessus. Bon voilà, je crois qu'on en a fini pour le montage de ce drone. On aurait pu faire quelque chose de plus compliqué, rajouter des LED, un GPS. Le GPS, tu pourras le rajouter par la suite, c'est comme un Crossfire, c'est avec un RX, un TX et l'alimentation, c'est pas compliqué non plus. Mais maintenant, je pense qu'on va passer à la partie configuration de ce drone. Ok, du coup, après avoir fait les soudures et tout le montage, on va passer à la partie software sur Betaflight. C'est parti. Ok, du coup, la première étape, c'est de flasher la puce. Et pour ça, il faut te mettre en mode DFU. Donc, soit tu appuies sur le petit bouton de tourne de ta carte, soit tu le fais directement sur Betaflight. On vient chercher le firmware. Là, c'est le Fury F4 OSD pour la Mamba F4 105. Et on flash la carte. Ok, du coup la première étape c'est de calibrer l'accéléromètre. Du coup tu vas poser ton drone sur une surface plane et tu calibres juste ici. Tu peux aussi vérifier que le drone répond bien au mouvement que tu lui donnes et s'il est bien dans le bon sens. Si jamais il n'est pas dans le bon sens, tu peux inverser dans la partie configuration dans le sens que tu veux. Ensuite tu arrives dans l'onglet port, comme tu as vu dans une de mes vidéos. Donc sur l'UR3, on se souvient qu'on avait mis le RX, le Crossfire. Donc je coche le Serial RX juste ici. Et après, pour le Cadix Vista, on va dans Configuration MSP et on coche l'UART 6. Et voilà. On passe à l'onglet Configuration Betaflight. C'est un onglet assez important, il y a quelques petites choses à faire. Donc dans un premier temps, ici, on va dire si on est en props in ou en props out. Moi, je préfère être en props in. Donc pour être en props out, vous allez mettre juste cocher cette petite case. Ensuite, on va avoir les ESC à configurer. Donc normalement, avec votre carte de vol, le constructeur dit quel protocole peuvent supporter les ESC. On sait que nous, ça peut aller jusqu'au 10 shots 600, donc on va laisser ça. On va pas toucher aux autres options, elles sont très bien comme ça. Ici, c'est le petit onglet dont je vous avais parlé. Si vous avez mis votre carte dans un autre sens pour des raisons pratiques, vous pouvez la tourner pour qu'elle soit bien dans le bon sens et pour que tout soit OK. Ensuite, là on a un petit bouton armé. Moi j'aime bien mettre 180, ce qui permet de pouvoir réarmer notre drone dans n'importe quelle position. Ici c'est la configuration système, vous allez éviter de toucher si vous ne connaissez pas, cochez juste bien l'accéléromètre, ou si vous avez un baromètre ou un magnétomètre, vous pouvez les cocher.
Ensuite, on a l'onglet récepteur. Donc, on va aller sélectionner le. On va dire à notre FC que nous, on fonctionne avec un récepteur Crossfire. Donc, on coche RXCI. Et là, on met Crossfire. Ensuite, là, par exemple, on a la force du signal, le RSSI. Comme on est en Crossfire, on ne va pas cocher ça ici. On le fera plus tard dans récepteur. On n'a pas mis de GPS pour le moment. Et ensuite, autre fonctionnalité. Là, on a quelques petites choses importantes à voir. Donc, on a la télémétrie, toujours important. La télémétrie, c'est ce qui permet de transférer des informations, qu'elles viennent de votre RX ou de votre VTX. On va activer l'OSD, ce qui nous permettrait d'avoir des informations sur votre écran. On va activer l'Air Mode, c'est super important ça. C'est ce qui permet que vos hélices tournent tout le temps quand vous êtes en vol. Et Dynamic Filter, qui va pouvoir nous permettre de régler nos filtres quand on fera les PID plus tard. Et ici, on va pas cocher grand chose de plus pour le moment. Enfin, on a tout ce qui est beeper, où il enverra des beeps quand il y aura tout ce genre d'informations. Et ici, si vous n'avez pas de beeper, vous pouvez utiliser ces options-là pour que ce soit vos moteurs qui beepent si vous perdez votre dent. Ok, maintenant on va brancher une batterie et on va voir si nos moteurs tournent dans le bon sens. Sinon, on les fera changer de sens avec Belly 32, ça s'appelle. Du coup, tu vois, tu branches ta batterie, tu vas dans le menu moteur. Et après, tu fais tourner tes moteurs un à un. Bon, bien sûr, tu enlèves les hélices. Et tu vérifies s'ils tournent bien dans le bon sens en regardant le schéma. Du coup, là, je fais tourner les moteurs. Et en fait, il n'y en a aucun qui tourne dans le bon sens. En fait, tu as deux méthodes. Soit tu décides d'inverser les câbles d'alimentation du moteur. Soit on le fait sur l'application. Moi, je vais le faire sur l'application. Donc, tu as deux applications. Tu as soit Belly Configurator, soit Belly Suite 32. Ça dépend de tes ESC. Là, sur les miens, c'est celle-là. Donc, tu l'allumes. Ça ressemble un peu à Betaflight, celle-là, pour le coup. Tu attends qu'il voit ton truc. On read setup. Et là, je vais venir inverser à chaque fois le sens des moteurs. Et là, tu fais write setup. Et normalement, c'est bon. Alors, Betaflight, ça va être assez utile, surtout pour un truc pour la suite où tu vas toujours t'en servir. C'est pour le réglage des PID. Les PID, c'est finalement la stabilité de ton système. C'est ce qui va faire que ton drone va bien réagir à tes ordres. Donc, les PID, ça peut être quelque chose de dur à régler quand on débute. Et les PID stock que va te fournir Betaflight, donc ceux qui, quand tu allumes ton drone, ceux qui sont fournis, sont déjà très bien, donc t'as pas à t'embêter. Notamment, tu vois, là j'ai déjà fait voler déjà un peu ce drone, et j'ai déjà réglé mes PID, donc si t'as envie de les prendre parce que t'as un drone un peu similaire au mien, bah je te laisse mes PID là qui sont juste là, et que tu pourras régler. Je te ferai peut-être d'autres vidéos sur les PID pour apprendre à mieux les régler, je pense. Bon, maintenant on va bind notre récepteur radio Crossfire à notre radio et ensuite on pourra faire les configurations sur Betaflight justement de ce récepteur et des différents modes comme armement ou le beeper ou ce genre de choses. Donc là j'ai appuyé sur le bouton de bind du petit Nano Crossfire et j'ai bindé au niveau de la radio pour binder justement notre récepteur. Une fois que tu as fini de binder ton RX, finalement tu vas sur le Betaflight. Et tu regardes dans l'onglet récepteur si tes sticks, donc tes commandes, réagissent bien comme tu veux. C'est-à-dire que quand tu pousses le manche des gaz, tu veux que Throttle réagisse. Et pareil pour le roll, le pitch et le yaw. Si jamais ça marche pas, il suffit juste que tu changes l'ordre des voix. Genre si par exemple tu inverses le R et le T et tu vois jusqu'à ce que ça marche. Ensuite tu peux repérer aussi, tu vois, tes auxiliaires que tu as sur ta radio. Et ça va nous servir juste après pour faire des modes avec ta radio. Ah oui, j'ai oublié de te dire. Pour le RSSI, la force du signal, c'est assez simple. Avec le Crossfire, tu vas choisir un canal sur lequel tu vas afficher le RSSI. Tu pourras mettre RSSI slash LQ. Ça te permettra d'avoir les deux. Et donc ensuite, tu vas avoir un channel. Si tu l'as bien configuré sur Betaflight, tu vas pouvoir voir qu'il y a un channel qui est à 2000, si tu l'as bien fait, enfin un des auxiliaires, et tu expliques que sur Betaflight que c'est cet auxiliaire-là sur lequel tu voudras mettre les RSSI. Et ensuite, tu le verras dans ton OSD si tu l'as bien configuré. Finalement, pour faire les modes de ton récepteur radio,
tu vas dans l'onglet mode de Betaflight et tu regardes, par exemple, j'ai mis auxiliaire 1 pour l'armement. Et tu mets l'armement dans la plage que tu veux. Là, moi, je l'ai mis en fin de course pour l'auxiliaire 1, par exemple. Ensuite, tu as l'onglet OSD où tu pourras décider toutes les informations qui vont apparaître à ton écran. Si, par exemple, tu veux la tension de tes batteries, ta position GPS ou toute autre info qui t'intéresse pour voler et t'en sortir. Et du coup, après l'OSD, on va juste configurer le Kadix Vista pour la première fois. Il faut juste aller sur l'onglet DJI pour le mettre à jour et lancer le firmware pour la première fois. Du coup, pour mettre à jour le Kadix Vista, tu le branches juste en USB-C à ton ordi. Tu allumes DJI Assistant 2 et tu mets la mise à jour. Et la mise à jour, elle s'effectue toute seule une fois que tu as branché. Bon bah voilà, le drone est monté et configuré et il est prêt à voler. Donc tu as juste à brancher une batterie et partir t'amuser. Bon, si tu as eu le moins de problèmes ou le moins de questions à poser, sache qu'il y a mon tableur qui te permet de choisir tes composants. Il y a aussi mon blog qui est dans le lien de la vidéo où tu peux aller voir comment construire un drone en le lisant, quoi. Et ensuite, il y a aussi mon compte Instagram où je suis assez actif, où je t'invite vraiment à venir me suivre parce que je répondrai à toutes tes questions si tu as le moindre problème de montage, de ta frame ou de n'importe quoi. Je te répondrai à absolument tout, quoi. Bon, si ça t'a plu, n'hésite pas à liker, ça me fera super plaisir. N'hésite pas non plus à t'abonner et n'hésite pas à me dire si les montages de drones ça te plaît d'en revoir, par exemple, parce que j'ai encore plein d'idées pour te montrer des astuces quand tu montes un drone pour le faire de mieux en mieux. Là, c'est un drone assez lambda que j'ai essayé de monter, mais j'ai plein d'autres idées, donc n'hésite pas à me dire si tu veux en voir d'autres. Et sur ce, je te laisse avec la vidéo, la première vidéo que j'ai faite avec ce drone. Pour un lever de soleil près de la mer, c'était vraiment trop cool et il marche vraiment bien. Et sur ce, bah à la prochaine.